La quatrième, à la droite. Le poisson, c'est vrai qu'il est en feu aujourd'hui, Bruno. Le poisson est en forme, il est actif, vraiment, vraiment actif. Hey. À quoi tu pêches, toi, Charles? Au grain de dinde, avec un plomb coulissant. Bruno, toi, tu pêches avec le flotteur comme. Ouais, ben, j'ai une canne montée comme toi, là. Ma 12 pieds de Shimano. OK. Prêt, juste à la mettre à l'eau, mais je pêche encore à la flotte. Puis là, photo est en train de transférer aussi. Ouais. Puis on va peut-être tout être comme toi et là au bottom feeder. Mais ça a l'air que le poisson il est collé vraiment au bord. Hein. On l'a lancé loin un matin, puis il garde rien. Puis... Ouais, c'est fort comme poisson. Là, elle a l'air un peu plus petite. Ouais, mais c'est ça, là. Oh, ouais, un peu plus petite, t'as raison, Bruno. Un petit chinook. Mais, ouais, mais... La grosse écaille. Ils sont puissants, pareil, tu sais, pour leur poids, là. Ah, ouais, ouais, ben... Pour leur poids, ça veut dire quoi, là? Les petites carpettes peuvent tirer vos cannes dans l'eau si vous les surveillez pas. Ben, t'as eu une malchance cette année, toi, sans vouloir. Première fois en 40 ans, je perds une canne à l'eau. Par une carpe. Oh, nice. Healthy. Une belle carpette, on va revient. On va faire une remise à l'eau, comme tantôt. Ben, on va la mettre de côté sur la liste de bois ici. Là. Je vais montrer ce qu'il y a de l'air. Beau, comme beau poisson, un beau relief de couleur. Ouais. Voilà. Numéro 1. Bon, ben Bruno, un autre capture. Bon, c'est une carpette, mais c'est pas grave. Hein? On a pris l'espèce visée. Baby. C'est ça qui est cool, hier, yeah, yeah. Very healthy. Une carpe genou, quoi? Ah, oh, ouais. Ça va être le plus beau combat que tu as filmé. C'est le fun, parce que... On voit qu'il y a de la progéniture là qui. Yup! Ah Bruno! Au moins, regarde, il y a de la progéniture, ça pousse. Mais viens voir l'hameçon aussi dans la bouche. Regarde. Mais Rodis, là, tu bordes la lèvre. Ben oui. Hein, ça tient assez fort dans le cartilage. Ouais. Regarde, c'est belle. On va prendre une photo. Un doublé. Un doublé, aujourd'hui ça a de l'air. Le deuxième, toi t'en as fait un tantôt. On quitte la souffle. Ouais. Okay. Ça n'a pas d'allure. Le poisson est vraiment... Puis actif, regarde Bruno, il vient de porter de l'aide avec les sujettes. Ah oh ben, on a une à gauche, une à droite. On va embarquer les deux dedans à l'intérieur. Ça fait un travail d'équipe. On a une. Bon, là, Bruno, on a fait un travail d'équipe parfait. Merci. Oui, monsieur. Oui. Ah, yes, sir. La mise à l'eau. Comme là, Toto. Une slow. OK. Go. Go. Bye bye. Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Merci. What's going on, monsieur? You see, Hungary or sandwich. Right away, Mike. Ça l'a mis en gros, hein? Oui. Ça pique. Ça pique la curiosité.
pense que tu peux mettre ta sandwich dans ta poche. Puis, C'est les carpes qu'on nourrit, pas les pêcheurs. Faut manger un peu, on va prendre des carpes. On a du muscle, hein? Ils sont forts. On a l'air gros pour ça avec. Un petit peu engourdi comparé à l'été, hein? Ouais. On bat pas pareil à chaque place, on dirait, hein? Ben là, c'est parce que l'eau commence à être bien froide, fait que le métabolisme est ralenti. C'est vraiment plaisant. C'est des bons combats. Hein? On va la rapprocher de la descente de celle-là. Bon, c'est une descente à carpe ici, Charles. Ouais, ça, c'est ça, hein? Parce que la descente de chaloupe a été abandonnée. Ben. Les cartes de tonnes sont vendues. Bien ballonneuses. Ouais. Oui, voilà. Monsieur, hein, on se voit une autre belle cape. On va faire un bon trio aujourd'hui de la cape. Yeah, man. Oui, monsieur.